Charline Vanhoenacker, le candidat communiste. Fabien Roussel est soupçonné d'emploi fictif. Il doit prouver un travail d'assistant parlementaire de 2009 à 2014. Ça faisait des semaines que les éditorialistes de droite et Le Figaro disaient « Mais il est sympa ce Fabien Roussel, il est pas mal dans le fond ». Eh ben ça, vous savez quoi? Ça aurait dû nous alerter. Et qui a révélé l'affaire? Mediapart. Ok, donc maintenant chez Duplesnel, on en est à essayer de siphonner les lecteurs de droite. Normalement, c'est Valeurs Actuelles qui est censé plomber la campagne du communiste. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils foutent à Valeurs Actuelles? Eh ben, ils cherchent sur Google Images des photos pour illustrer leur prochaine une sur le terrorisme de l'écologie. Alors évidemment, ils n'ont pas le temps de faire des enquêtes. Cette révélation, qu'est-ce que ça signifie dans le fond? Eh bien que désormais, Fabien Roussel, eh ben, il pèse dans le game. Il intéresse enfin d'autres journaux que Steak Haché Magazine. Tu m'étonnes qu'à 3000 euros par mois, rien foutre, il mange de la viande tous les jours. Mais attention, il a nié avoir occupé un emploi fictif. Il a même expliqué avoir fait de nombreux trajets en voiture dans le cadre de ce travail. Donc, même dans sa défense, il arrive à emmerder les écolos. Il est évident que cette enquête est destinée à plomber la campagne du candidat PCF, parce qu'il dérange. De toute façon, à gauche, dès qu'un candidat dépasse la barre des 2% dans les sondages, c'est suspect, ça affole tout le monde. J'espère pour lui que les affaires vont s'arrêter là, parce qu'il ne faudrait pas qu'on apprenne qu'un sombre intermédiaire de la France-Afrique lui a offert des pulls Helio et des jeans H&M. Parce qu'après, ça entraîne d'autres questions. Comme, est-ce qu'il va falloir décompter son temps de parole avec celui des Républicains, évidemment. Chez LR, on craignait que les électeurs partent chez Zemmour, alors que c'est chez Roussel qu'ils vont finir. Bruno Retailleau est à deux doigts de prendre sa carte au PCF. Vous savez comment il est, hein, les soupçons d'emploi fictif, ça le motive. Je le connais, c'est mon Bruno. Oh, ça va, sois pas jaloux, Dominique. Oh. Bon, sur ce coup-là, s'il faut un hashtag à la place de « rend l'argent », je propose « partage l'argent » pour garder cette petite vibe communiste. Quoi qu'il en soit, à mes yeux, Roussel a déjà payé sa dette. Hein. Il a reçu le soutien de François Bayrou. C'est déjà une condamnation en soi. La seule certitude pour le moment, c'est que le métier d'assistant parlementaire est très difficile à définir. À chaque fois qu'on leur demande en quoi consiste leur boulot, ils sont incapables de s'en rappeler. Fabien Roussel nous a sorti hier qu'il avait été assistant parlementaire de terrain. Et là, bah, j'ai plus de blagues. Hein. Mais un dernier soupçon, est-ce qu'on n'aurait pas affaire à un communiste fictif ?